il y avait un besoin très important en Guinée en termes d'anesthésie. Il n'y avait pas assez d'anesthésistes. Il n'y avait pas d'école de formation. Lorsqu'on veut faire une chirurgie, il faut toujours l'anesthésie. Et s'il n'y a pas d'anesthésiste, on ne peut pas faire une chirurgie. Il y a beaucoup de patients qui mouraient suite à l'anesthésie qui leur a été administrée. Donc on a connu beaucoup de personnes et on a expliqué un peu notre projet de formation des infirmiers anesthésistes en Guinée. Et je pense que Mercy Chip a adhéré à l'idée. On a commencé avec 4 étudiants et aujourd'hui on est à 23 étudiants. Et ça c'est vraiment avec l'accompagnement de Mercy Chip qu'on est vraiment arrivé à ce résultat. Et que nous-mêmes, nous fournissons tous les efforts qu'il faut pour que les gens qui sortent de cette formation, les infirmiers qui sortent de cette formation, sont des infirmiers très bien formés et qualifiés et qui assurent la sécurité des malades. L'école a ouvert en 2019. Et depuis 2021, on a commencé à changer cette tendance-là. Toutes les césariennes programmées sont pratiquées maintenant sous rachis anesthésie. Maintenant, il est rare de voir une femme qui vient mourir au cours d'une césarienne programmée et que cela soit dû à l'anesthésie. Par rapport à l'ouverture de ces spécialisations infirmières, ça permet de réussir d'avoir un le niveau de la prise en charge des malades en bloc opératoire. Donc, c'est un mot, c'est cette passion qui nous a guidés avec le maître, qui nous apprend avec délicatesse. Depuis toute petite, moi, j'aime toujours aider les personnes qui sont vulnérables. Donc l'anesthésie, pour moi, c'est une passion, c'est un rêve. Je sais que l'avenir sera beaucoup mieux parce que ce qui se passe ici actuellement, on n'imaginait pas cela en fait. Je suis très fier de ce qui se passe ici. Parce que vu de là où nous sommes partis et là où nous sommes aujourd'hui, je suis très fier, on a parcouru beaucoup de chemin. Donc merci pour la coopération, pour le soutien, pour le partenariat, pour tout ce qui est fait.